aujourd'hui pour une recette express, hein, vous en avez pris l'habitude. Aujourd'hui, je l'ai intitulée « J'épate mes invités à l'apéritif avec les restes de mon frigo ». Tout simplement, on va préparer ensemble des cakes salés avec 5 garnitures différentes. Et tout simplement, j'ai ouvert le réfrigérateur et j'y ai trouvé des restes. Donc, on va utiliser un moule qui s'appelle 5 cakes longs de chez Guy de Marle. Et puis, on a fait une pâte à cakes salés qui est ici. Donc, la pâte à cakes salés, bien sûr, c'est la recette que vous préférez. Si vous voulez avoir les quantités qui sont adaptées à ce moule, vous allez aller sur le club Guy de Marle et taper donc recette salée et 5 cakes longs. Donc moi aujourd'hui j'ai fait une pâte à cakes salés avec mon iCooking et des œufs du lait, du sel, du poivre, de la farine, de la levure et puis de l'huile. Voilà, donc et pour les garnitures, donc je suis allée dans le réfrigérateur, j'y ai trouvé donc... on va faire un des cakes avec un reste de chorizo et du fromage de brebis. Donc voilà, c'est un reste chorizo doux. Et vous voyez, c'est du fromage que j'ai eu en prix déstockage. Voilà, donc celui-là déjà ne coûtera pas cher. Ensuite, je vais faire un deuxième cake avec de la pâte de curry et du surimi. Ensuite, j'ai retrouvé au réfrigérateur ici... un sous-bisave des restes de petites saucisses, vous savez, les petites saucisses cabi apéritives. Voilà, et je vais y mettre de la moutarde. Ensuite, j'ai retrouvé aussi, ici sous vide d'air, un reste de lardon. Et puis, un reste aussi de fromage à raclette avec un petit morceau de jambon sec. Donc là, je vais y ajouter donc, celui-là des oignons frits. Ensuite, on fera le dernier avec des olives vertes, des tomates cerises, un petit peu de mozzarella et des tomates confites. Voilà, donc première chose à faire, on va répartir la pâte à cake salée dans les 5 empreintes. Donc, comme ça, hein, vous voyez. Donc, on en a la quantité nécessaire pour faire 5 cakes. Donc, on répartit. Simplement. Donc je vous rappelle, hein, farine, lait, 6 œufs. Bon, la recette, je vous la mettrai en lien hein, dans le ou en photo dans la vidéo. Si vous voulez prendre la même recette, sinon vous prenez tout simplement une recette de cake salé. Voilà. Donc, avec ce moule, on peut faire 5 cakes avec une seule pâte, qu'elle soit sucrée ou salée, et 5 garnitures différentes. Donc là, voilà, j'ai réparti la pâte dans les empreintes. Je vais maintenant venir les garnir une par une. Donc, dans la première empreinte, je vais mettre le fromage de brebis et le chorizo. On mélangera après. Donc vous voyez, il faut peu de garniture. Hein, que là, à la limite, pour un seul cake, j'en ai un peu trop. C'est pas grave. Il sera un peu plus gourmand. Ensuite, dans le deuxième, je vais y mettre donc les lardons. Voilà, pareil, hein, à la limite, j'aurais pu en faire deux. Donc les lardons. Ensuite, je vais mettre un peu d'oignons frits. Voilà, on aime bien nous, les oignons frits. Et puis ensuite, je vais y mettre des cubes de fromage à raclette. Donc, deux morceaux, ça va suffire largement. J'enlève bien sûr la croûte. Et je vais couper ça en cubes. Et je vais mettre ça dans l'empreinte, tout simplement, comme ça. Voilà. On mélangera après. Ensuite, dans la troisième, et bien un petit peu de pâte de curry. Voilà. Et du surimi. Alors, deux bâtonnets, on aura largement assez. Voilà.
Ensuite, on va venir mettre de la moutarde dans l'empreinte directement. Et puis, on va couper, pareil, les petites saucisses apéritives, là, que j'ai sous vide. J'en aurai largement assez pour faire d'autres mini cakes, où je les mettrai à l'apéritif aussi. Mais voilà, on va couper donc ici les saucisses en petits morceaux. Voilà. Et enfin, dans le dernier, on va mettre tomates séchées, une pétale, il y en aura assez. Voilà, donc on va utiliser la petite planche là, que vous ne voyez pas. Voilà. On va mettre deux petites tomates cerises fraîches. On va venir mettre, hop, une ou deux olives. Ça, c'est en fonction de vos goûts. Et puis, ici, j'ai sous vide de la mozzarella. Je vais en prendre un tout petit morceau parce que c'est pour un petit cake. Voilà, donc on a garni toutes nos empreintes. Maintenant, on va aller les mélanger. Hein, parce qu'il faut que la garniture, elle soit quand même un peu partout. Je vais remettre un peu de mozzarella, là. Hein, que ce soit gourmand. Comme ça. Donc, on mélange comme ça. Vous voyez, tout simplement. Donc là, j'utilise une petite spatule, hein, qui est disponible aussi sur la e-boutique. C'est vendu par deux. C'est un lot de deux mini spatules. C'est vraiment la taille idéale. Ici, je mélange le fromage avec les lardons et les oignons. Et enfin, le dernier avec le chorizo et le fromage de brebis. Ensuite, on me reste un petit peu pour la petite touche de couleur, hein, pour la petite garniture, il me reste un peu de persil frais. Donc, je vais venir répartir avec mon ciseau à herbe un petit peu de persil sur tous les cakes. Et on va mettre ça au four pendant 25-30 minutes à 180. Voilà, donc on a fini. Vous voyez, je vais vous montrer, on a 5 cakes apéritifs quand même. Ça nous a pris 5 minutes. C'est les restes du frigo et ça va avoir un effet waouh parce que eh ben, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est goûtu. On sait ce qu'on y a mis dedans. Ça, c'est quand même aussi intéressant. Hein. Épatez vos amis en leur disant que c'est que des produits frais, qu'il n'y a pas de conservateur, qu'il n'y a pas de colorant, qu'il n'y a rien du tout. Et vous allez voir, à coup sûr, ça va plaire à vos amis. Donc, je vous montre, je passe au four. Voilà, donc on va faire cuire ça 25 à 30 minutes à 180. On se retrouve pour la photo.